Bonjour à chacun, c'est avec grand plaisir que je viens apporter aujourd'hui ce que j'ai à cœur pour cette conférence sur la guérison. Je prie pour qu'il y ait de nombreux miracles parmi vous, que le Saint-Esprit agisse, qu'il change vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons de guérison et en particulier de guérison physique, mais pas que. Et sur cette guérison physique, on s'en remet aisément. À la médecine et c'est une bonne chose. Et imaginons que un des pionniers de la médecine revienne du passé, vienne aujourd'hui, par exemple Hippocrate, d'il y a 2000 ans et d'autres, qu'ils se rendent compte de la somme de connaissances que nous avons accumulées, de comment fonctionnent nos organes, les nerfs et, et, et tout le système de, de, de notre corps qui fonctionne. et toutes les connaissances qui ont été accumulées, et puis aussi au niveau technologique, tous les outils qui ont été inventés, créés. On va jusqu'à maintenant faire des opérations chirurgicales sur les fœtus dans, dans le ventre de leur mère. C'est vraiment incroyable. Et puis il y a aussi les médicaments, certains qui ont une efficacité incroyable contre certaines maladies. Et la différence de connaissances entre ces, ces pionniers et ce que nous savons aujourd'hui est vraiment phénoménal. On peut prendre un même exemple avec ce qui est biologique. Si on prend un pionnier de la biologie il y a un ou deux siècles, avec ce que nous savons maintenant, s'il venait là et voyait ces millions d'articles scientifiques qui sont là pour nous expliquer, nous décrire comment fonctionne la cellule vivante, l'ADN, les protéines, tous les processus biologiques. C'est une somme de connaissances faramineuses. La différence avec ce qu'on savait il y a un siècle ou deux est vraiment énorme. Mais on fait confiance à la médecine, et c'est une bonne chose. Et cette compréhension, elle vient de Dieu. Parce que la connaissance vient de Dieu, comme ça nous est dit en Proverbe 2.6, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance. Et l'intelligence. Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire avec cette capacité de comprendre, d'apprendre, et, et aussi d'apprendre à faire. Comme on fait confiance à ce que nous savons médicalement, on peut faire confiance à Dieu. Parce que 1 Samuel 2.3 nous dit l'éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne connaisse pas dans tout l'univers, dans tout le monde spirituel, dans tout le monde naturel et à l'intérieur de nos propres corps. Alors on peut vraiment lui faire confiance. C'est un Colossien 16 qui nous dit, car en Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais il ne garde pas cette connaissance, comme je disais. Daniel 2 nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il n'a pas créé l'univers pour le laisser faire sa vie au hasard. Il prend soin de sa création. Il agit dans notre monde. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu sait tout. Et la différence de nos connaissances actuelles et de ce que Dieu sait, elle est encore plus énorme qu'entre ces pionniers de la médecine et de la biologie et ce que nous savons maintenant. Nous faisons confiance aux hommes pour nous soigner. C'est une bonne chose. Mais à combien plus forte raison nous pouvons faire confiance à Dieu qui a toute la connaissance Non seulement la connaissance globale, la connaissance euh, de, de tout ce qui est les principes physiques et tout le reste, c'est lui qui a écrit les lois de la physique. Mais il a aussi connaissance de quels sont nos besoins à chacun. Pour répondre à ses besoins, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et il y il avait des missions qu'il a décrites euh, en réutilisant, en citant Ésaïe 61. Jésus nous explique lui-même quelle est sa mission. Et on peut lire dans Luc au chapitre 4, Jésus qui dit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aussi pour renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Alors ce Dieu qui connaît tous nos besoins envoie Jésus et il y a une hiérarchie dans les missions que Jésus vient accomplir. La première chose, c'est que il vient annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle du salut qu'il vient apporter par son œuvre sur la croix. Ce salut, c'est quoi C'est la guérison de notre esprit. Nous avons un esprit, mais cet esprit est mort. Spirituellement, nous sommes morts. Et qu'est-ce que Jésus vient faire lorsqu'on saisit le salut en lui Il ressuscite notre esprit. Il permet que notre esprit soit guéri du péché et de ce qui a été subi par ce péché. Et de retrouver la relation à Dieu qui est la source de la vie. Il vient premièrement pour notre salut, pour guérir notre esprit. La deuxième chose, c'est qu'il guérit les cœurs brisés. Parce que nous pouvons être à l'intérieur euh, abîmés. Euh, nous pouvons être à l'intérieur malades, notre cœur peut être malade, et il vient pour guérir les cœurs brisés. Il veut restaurer nos émotions, il veut restaurer euh, tout ce que nous avons comme pensées qui peuvent être des pensées noires, il veut amener sa lumière, il veut éclairer notre âme, il veut apaiser nos douleurs intérieures, et il veut cicatriser notre cœur. Il vient, troisièmement, pour délivrer les captifs. Et ce qui peut tenir chacun de nous euh, captif, c'est en particulier notre passé. Des choses négatives qu'on a pu subir, des violences, des abus, des déceptions, des mauvaises expériences, de toutes sortes de, de vécus qui peuvent peser sur nos vies maintenant, des fardeaux, des chaînes qui nous empêchent d'avancer comme nous désirons. Et également des choix qu'on a pu faire qui ne sont pas bons et qui nous ont euh, liés euh, en, partie, en particulier avec des mauvais esprits qui nous influencent. Alors Jésus vient, il veut nous libérer et nous délivrer. En quatrième position, il vient rendre la vue aux aveugles. Dieu s'occupe de notre corps. Il veut en prendre soin. Et ce n'est pas quelque chose d'annexe, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il veut vraiment euh, que la bénédiction qui coule de son trône de grâce agisse également dans notre corps. Oui, le plus important, c'est le salut. Et c'est aussi notre être intérieur. Et c'est aussi de vivre en paix par rapport à notre passé. Mais. La guérison du corps, quelque chose d'important pour Dieu. Pourquoi salut et guérison sont, sont autant liés On voit dans le Nouveau Testament un terme qui est utilisé pour sauver et guérir, c'est le terme sozo. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, on peut lire ça en Marc 5, elle se dit Si je peux seulement aller toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle veut sa guérison physique. C'est le, le terme Sozo. Et quelques versets plus loin, Jésus dit à cette femme :« Ta foi t'a sauvée, Sozo. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il y a une relation forte entre le salut et la guérison. C'est l'action de Jésus pour répondre à nos besoins. Un autre exemple est Bartimée l'aveugle, à qui Jésus dit en Marc 10. Va ta foi t'a sauvé, Soso. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Donc, on voit un aveugle qui vient. Jésus voit la foi de cette personne et proclame sur lui le salut et la guérison. Le salut, c'est la régénération de notre esprit. Et la guérison, ça va être la régénération de notre cœur et de notre corps. Et Dieu veut réaliser tout cela. En Jésus. Et c'est pourquoi Jacques 5 peut aussi nous dire au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Nous avons encore là le salut qui est lié à la guérison. Et ce verset continue en disant, le Seigneur le relèvera. Je prie pour que vous soyez relevés aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Alors, qu'est-ce qui est encore nécessaire de, 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 de travailler pour cette guérison, c'est la délivrance que Dieu veut nous offrir. Alors, on sait très bien qu'il y a des maladies psychosomatiques. La médecine l'accepte tout à fait. De quoi s'agit-il Le cœur malade va rendre le corps malade. Et c'est pourquoi Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Parce que le cœur brisé n'est pas seulement un problème émotionnel, ça a des répercussions sur toute notre vie et même sur notre santé physique. Et notre cœur qui est abîmé par l'anxiété, la rancune, la dépression, toutes ces choses négatives, vont, va, va avoir des impacts négatifs sur notre corps. Et c'est pourquoi nous, nous avons aussi à travailler. Avec Jésus à cette guérison intérieure. Nous savons que le Saint-Esprit veut pénétrer notre cœur, veut nous guérir et révéler les parties sombres qu'il veut, euh, qu'il veut venir purifier et venir éclairer les parties sombres qu'il veut travailler avec nous pour guérir en profondeur notre corps. Le deuxième aspect, c'est Délivrer les captifs, la délivrance. Et de quoi peut-on euh, être, euh, peut être enchaîné En partie par des liens euh, spirituels. Deutéronome 18 nous, et d'autres passages bibliques, vraiment nous disent qu'il faut absolument fuir toute relation avec ce qui est occulte. Que ce soit la voyance, les guérisseurs, les coupeurs de feu, les médiums, euh, l'astrologie, toutes ces choses, sont des moyens que l'on peut utiliser pour répondre à nos besoins en cherchant la réponse auprès de l'ennemi de nos âmes, auprès de Satan et de ses démons. Et ces choses, quand on les pratique, vont nous lier à eux. Et quand on va voir un guérisseur, qu'un mauvais esprit agit pour, dans notre corps, il n'est pas là pour guérir. Il ne veut pas notre bien. La, la, la douleur peut sembler disparaître, mais il n'y a pas de guérison. Ils ne veulent pas qu'on aille mieux. La, la maladie peut être transformée, la douleur peut, peut euh, partir à un autre endroit, mais nous sommes liés après avec ces pratiques. Luc XIII nous donne un exemple. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans depuis 18 ans cette femme était malade à cause d'un mauvais esprit elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il ne a pas dit tu es guérie mais tu es délivrée cette infirmité était un lien spirituel dont Jésus l'a délivré. Et si vous avez pratiqué des choses que la Bible réprouve et que vous avez pu vous retrouver lié à des mauvais esprits, prenons juste ce temps maintenant et dites, Dieu, je te demande pardon d'avoir consulté ces choses occultes. C'était un mauvais choix dont je me repens. Et je te prie de me libérer de tout lien spirituel qui peut influencer ma vie à cause de ces choses. Je ne veux plus les pratiquer. Je veux être libéré des liens spirituels. Je remercie Dieu de son pardon et de la délivrance qu'il opère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus nous guérit, il veut, il agit que pour notre bien. Il fait une guérison totale, complète. Il veut notre bien, il veut nous bénir. Il n'a pas des intentions cachées. Alors, pour terminer, Quelques ingrédients de la guérison. Le premier, c'est le Père. Le Père céleste qui sait absolument tout. Dieu sait tout. Se baser sur notre Dieu qui sait tout, c'est déjà faire ce pas de foi qui va nous mener à la guérison. Et puis, il y a le Saint-Esprit. C'est lui qui a agencé le monde. C'est lui qu'on voit dans la Genèse parcourir la création et mettre en œuvre la vie. Il peut donc vraiment continuer à agir aujourd'hui pour rétablir des choses qui sont malades en nous. Et puis, il y a le Fils Jésus-Christ. Et lui a toute autorité sur tous les éléments naturels, que ce soit juste matériel ou que ce soit vivant. Il a toute autorité aussi sur tout ce qui est spirituel. Et c'est pourquoi on peut avoir foi que le chemin qu'il a ouvert entre la terre et le ciel est ouvert maintenant pour que, en son nom, les réalités célestes puissent venir s'appliquer à nos vies terrestres et recevoir les bénédictions d'en haut. Alors, comment ne pas avoir confiance en ce Dieu qui sait tout et qui veut notre bien? Je vous invite juste à vous positionner, à dire aujourd'hui, oui Dieu, j'ai confiance en toi, je mets ma confiance entière en toi. Tu sais tout de moi, tu connais mes besoins et je veux te donner ma vie afin que tu puisses la diriger et l'impacter avec les bénédictions que tu veux offrir et en particulier la guérison. Et ouvrez votre cœur pour qu'il le guérisse. Offrez votre esprit totalement à Dieu. Et appelez maintenant la guérison sur vos corps également au travers du nom de Jésus-Christ. Il est ce chirurgien céleste qui sait exactement ce qu'il faut pour que vous obteniez la guérison aujourd'hui. De la même manière que ce passage dit biblique, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, je suis certain qu'il y a aussi beaucoup de joie quand un malade est guéri. Et c'est avec beaucoup de confiance et de joie que je veux vous laisser aujourd'hui devant le Dieu qui vous aime et qui veut votre bien qui veut vous guérir. Et devant cette image de la joie qu'il y a au ciel, quand un malade est guéri, autant que quand le salut vient, puisque le salut et la guérison sont très imbriqués pour notre Dieu. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit vienne libérer les vies guérir les cœurs brisés et agir puissamment pour que les douleurs disparaissent dans les corps, que les maladies disparaissent dans les corps, et que toute la gloire revienne au Dieu qui sait tout et qui nous aime plus que tout. Amen.